petite fille, Inch'Allah. Dylan, il veut une petite fille. Ayem Nour enceinte de son ex Dylan Thierry? Cette vidéo qui fait bondir les internautes. Ayem Nour est-elle enceinte et sur le point de se remettre avec Dylan? Alors qu'ils s'affichent toujours ensemble et se montrent très complices malgré l'annonce de leur divorce, tous les deux ont répondu en toute franchise à plusieurs questions posées par les internautes, dont l'une portait sur l'arrivée d'un bébé. Et leur réponse à ce sujet a choqué absolument tout le monde. Pourquoi ne pas vous laisser une seconde chance? L'islam est parfait, l'homme ne l'est pas. Il y a encore 3 mois d'attente avant qu'on soit officiellement divorcé devant Allah. Et pourquoi on se laisse, pourquoi on se laisse pas une seconde chance? Pour être sincère avec vous, on y réfléchit, on est en train de peser le pour et le contre. Pour être encore plus transparent avec vous, quand on a commencé à s'afficher à Ayem et moi sur les réseaux, là récemment, on a eu énormément de messages, que ce soit des appels téléphoniques de certains imams, des appels téléphoniques de certaines sœurs que Ayem a en contact en Arabie Saoudite ou autre. L'entourage. Même sur les réseaux. Il y a eu un engouement de personnes, il y a eu un nombre de personnes incroyables qui nous ont écrit « Vous êtes trop mignons tous les deux, vous êtes trop beaux, divorcez pas ». Vraiment, moi, j'ai été très, très agréablement surprise. En fait, vos messages et vu qu'on lit vos commentaires et tout ça, c'est vrai que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai que Allah déteste le divorce en islam et c'est vraiment ce que j'ai compris et je me remets en question et on se remet en question. Mais on y réfléchit, pour être honnête avec vous, on y réfléchit. Alors, si vous restez ensemble, y a-t-il un projet de baby? Moi, je pense que c'est logique. Hein. Va pas falloir trop traîner, mon gars. Je me suis mis avec une cougar. Si on reste ensemble. Moi, à la base, non. Ouais. Non, à la base, je vais pas mentir. Si je restais pas mariée avec toi, j'ai pas dans l'optique, je suis pas pressée, je suis pas dans l'optique d'avoir un enfant. Après, si on restait mariés ensemble, bien évidemment, comme t'as pas d'enfant, bien sûr qu'on fera un enfant. Mais pas faire un enfant pour faire un enfant. Si demain on reste ensemble et que tout se passe bien, c'est toi qui vas me donner envie d'avoir un enfant. Mmh. C'est pas que j'ai envie d'avoir un enfant en soi. Je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réponse c'est oui. Une petite fille, Inch'Allah. Dylan, il veut une petite fille. Non, mais oui, bien sûr, si on restait ensemble, c'était prévu d'avoir un enfant. Oui, quand tout allait bien, on en parlait. Bien sûr, exactement. On en parlait et oui, on envisageait d'avoir un enfant. Mais après, Dylan, il met la pression, il veut absolument une petite fille et malheureusement. Non, ça c'est Allah qui décide. Tant qu'elle est en bonne santé, Tant que l'enfant est en bonne santé, c'était le plus important. Ouais. Et d'ailleurs, on avait même parlé des prénoms. Ouais, on fera une nouvelle vidéo sur ça. Ouais, faut pas dire ça, c'est un secret. Non, c'est un secret parce que sinon ils vont nous piquer. Ouais.